là 7 février pour qu'on même arrive ou gétan joindre CSPN ou gétan joindre premier ministre de facto Ariel Henry DGPNH France LB yo organisé yo là ça t'a préparé pour 7 février c'est tête chargée m'bra l'expliquer nous m'bra ba nous tout détail yo toute information yo pour arriver joindre nous dans un moment jodi en là m'bien avec mon émission hein? Stanley Lucas qui passait de présentation et il pral vini avec de nouvelles données dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse pour ça c'est exclusivité on pral connaître tout détail yo. Et également dans levé interdiction de départ qui gagne pour famille Vobio et puis nous faut parler de 7 février tout pourquoi pas. Donc déjà m'a invité au partager vidéo et si vous faites tomber sur channel là, pourquoi abonner. Pas hésiter à faire ça rapide, vite. Abonnez, activez la cloche notification et comme ça, vous après être connecté, vous avez toute information en temps réel. Bien avant, m'a profité, souhaité un joyeux 7 anniversaire avec un fanatique émission, hein, Jérémy. Bon anniversaire, nous souhaitons aujourd'hui ou réaliser tout bagaille net, tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui, bah, était tout. Obligation ça baite tout et plaisir ça faire de jour ça un jour spécial faire de jour ça un jour inoubliable et continuer nous souhaitons tout bon bagaille éditorial nous souhaitons tout bon bagaille et préparez-nous gain parole qui pral parler en pile découverte ou pral connait ça ca passer en dedans pays en dans dossier Jovenel Moïse avec Stanley Lucas. Ou pral konnen qui sa premier ministre Ariel Henry prépare là non chita politiser PNH comme organe de répression yo. Donc la République en danger, oui, la République en danger. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Dans 4 jours là, nous allons rentrer d'emblée dans 7 février. 7 février qui dit 7 février de manière constitutionnelle, il marquait fin mandat présidentiel Jovenel Moïse. Et depuis 7 juillet, nous constatons que dans le pays, il y a une vide institutionnelle. Il y a assassiné président, pas un président, il y a seulement exécutif qui est en tête et premier ministre de facto Ariel Henry, de facto parce que depuis après 120 jours, on a fini, non, mais là, il n'a pas réalisé rien, il est illégitime. Mais malgré toute illégitimité, il est arrangé, causé là avec un accord 11 septembre, un accord primature. Qui gagne différentes organisations, différents partis politiques qui signent là-dedans, qui prennent par là-dedans. Premier ministre Ariel Henry, il est censé, il baille tête en certaine légitimité, il baille tête en certaine grandeur, qui fait croire que tout ça l'a fait aujourd'hui en dedans pays, toute décision la prend dedans pays, dans tête pays. Et c'est légal, c'est constitutionnel. Et bon, comment nous carrelons? Nous carrelons, c'est entre guillemets, c'est accordé. C'est accordé parce que ça se fait et à travers et un accord que s'il y a avec des partis politiques dans le pays. Mais ça qui est certain, 7 février, la privé quand même. 7 février sont date fatidique dans l'histoire politique pays nous. 7 février sont date fatidique dans l'histoire constitutionnelle pays nous parce que de manière constitutionnelle, c'est date de passation de pouvoir et nous connaît depuis une longue période côté que en Haïti, nous pas respecté passation démocratique pouvoir là de un président à un autre. C'est toujours une rupture, une transition qui rentre, une transition un an, une transition un an et demi, une transition deux ans. Gen même jodi an la, gen des accords politiques qui sous table, qui parlent de transition de 5 ans, transition de 10 ans. Bon, franchement, moins li et très prochainement, ça qui arrive dans l'émission, nous recevoir et personnalité ça, en transition de 10 ans. Ça n'est pas vraiment transition de rupture, non. Ça, son transition est continue. En transition de 10 ans, pour au moins garder comment vous avez redoré blason pays, comment vous avez retourné avec principe démocratique, comment vous avez fait valoir et valeur institutionnelle.
Là, il y a un ensemble de décisions qui prend dans tête pays. Parce que Ariel Henry est premier ministre en sa qualité, c'est lui-même qui chef CSPN. Le premier ministre, c'est chef CSPN, c'est lui-même qui a dirigé CSPN. Et qui dit CSPN, dit Conseil supérieur police nationale. Là-dedans, où il y a premier ministre Ariel Henry comme chef, où il y a ministre justice, où il y a ministre intérieur, où il y a différentes personnalités qui sont dedans ministère. Et qui en dedans le gouvernement qui fait partie de CSPN. On est à qui ça arrive? 7 février, hein, nous connaissons les incontournables parce que sous table là, il y a plusieurs accords, il y a plusieurs éventualités. Ou il y a un accord Montana Pen, il y a même il y a un président et transition, il y a un premier ministre transition, il y a un président, il y a un premier ministre quand même, il faut qu'il soit installé. Bah quoi c'est dans Montana, il y a un diriger, il y a un régner, etc. Donc il y a des décisions qu'il doit prendre, il y a des balises qu'il suppose mettre. Et m'a dit nous ça bien avant. Ariel Henry nous elle va égaré. Ariel Henry peut-être m'pa konn ki kamb m'pa konn ki groupe moun k'ap téléguide k'ap tiraille k'ap rale à gauche à droite mais Ariel Henry li prend des décisions calculées pour des décisions réfléchies depuis l'Ariel Henry te fin fait SDP rentrer dans accord primature là li pa gen rien t'a peur encore parce que le connais ces nèg sa yo qui ka mette moun dans la rue c'est nèg sa yo qui passé 4 ans à bay Jovenel Moïse tac 4 ans à camper en face Jovenel Moïse, 4 ans faire mobilisation, 4 ans mettre barricade. Donc, dès que vous avez un bazel ou mettre manger dans la bouche ou fermer la bouche, vous avez contrôlé la politique ou contrôlé le pouvoir. Et c'est exactement la décision ça Ariel Henry te prend. Et c'est exactement le résultat nous aujourd'hui là. Parce que comme dit nous en bagaille, nous pensons que CSDP est en accord avec Montana. Nous pensons que c'est aussi facile pour le premier ministre Ariel Henry aujourd'hui pour ne pas négocier, pour ne pas acheter à bout de blanc. Et nous prenons le Pen Montana à plusieurs reprises. Yo voye invitation te rencontre Ariel Henry. Pen te rencontre Ariel Henry. Montana te rencontre Ariel Henry. Yo te chita parler. Mais depuis le fin voye l'aide ba Ariel Henry, yo fin notifié le fort Ariel Henry voye en représentant dans le conseil présidentiel. Ariel Henry pas jamais répondu yo. Et 7 février après le sou nèg yo a grand pas, fok yo retan joine 4 autres présidents pour yo mettre dans le conseil et dans le collège présidentiel là. Donc Ariel Henry lui même c'est route li la fait, c'est démarche par la fait, c'est stratégie par la mettre sous place. Et ou pral comprendre que ensemble des décisions qui prend par bon côté CSPN dans jodi an la façon yo préparer pour utiliser PNH pour utiliser policier yo ça c'est typiquement yo fait la police en tourner organe de répression au service de la politique. On va l'expliquer nous bien, oui. OK, la police en ligne là c'est vrai pour faire répression. La police c'est voie légale de répression. Faut que yo bat délinquant, faut que yo cherche délinquant, faut que yo empêche bandi et abuser population, touyer population, assassiner population etc. Mais lorsque nous prend PNH ou pour institution qui là pour protéger servir toute une communauté qui pas ta supposé rentrer dans cause politique. Jodi an là pour les intérêts politiques, pour protéger pouvoir, pour protéger poste de premier ministre, pour protéger au poste que gagner bon, n'a pas considéré accord, différents accords, différents groupes monde ça qui pas finalement joindre entente avec Ariel Henry. Ça c'est des formes, ça c'est des formes habillées de coup d'état et tout. Il faut on dit bagaille aux gens oui. Donc Ariel Henry lui-même il voulait protéger pouvoir pour pas prendre coup d'état pour pas attendre gagner pour te bourrer fait dans palais national ou bien à l'autre côté de l'état. Il utiliser la police. Li utilise PNH hein, de 5 jusqu'à 10 février. Tout policier, sauf pour cause de maladie, tout policier doit sous poste. Tout policier doit cantonner. Yo doit rester dans la base, yo doit rester sous poste pour attendre l'ordre. Parce que yo voulait protéger périmètre primature, protéger périmètre palais national, protéger résidence premier ministre Ariel Henry, protéger tout côté où on est, car on peut être fait, car il y a qui décide pour rentrer, pour aller prendre pouvoir, pour aller déchouquer Ariel Henry.
C'est ça qu'a fait là. Et toute planification ça yo, moi m'a dit non, c'est illégal, c'est arbitraire parce que premier ministre Ariel Henry il pas gain légitimité. Premier ministre Ariel Henry jodi an la, loi privée dans date fatidique 7 février. 7 février qui t'a supposé, yo t'a supposé gon nèg gien ou gon femme qui est le passer chef présidentiel là, rentrer dans palais national, aller al prendre dehors mon pour tout le monde connaît mes 59e président et puis qu'on nous revenons bataille nous revenons au carrefour c'est bataille politique nous revenons au carrefour c'est bataille pour pouvoir nous revenons au carrefour côté que c'est accord c'est ça qui fait actualité dans politique là c'est ça qui fait actualité dans la société là alors que bien-être intérêt population et rivé penser comment nous pral mettre sécurité en dedans pays hein rivé penser comment nous pral faire promotion la vie moun comment nous pral faire promotion pour nous bay moun yo meilleure condition de vie pas gen bagay comme ça jodi an tout nèg besoin poste tout nèg besoin pouvoir tout nèg besoin en pouvoir ou même ou pas gen mot pour dire parce que 42 moun te décidé yo met ton président avec un premier ministre ou pas gen mot pour dire parce que SDP te choisi yo pral chita en septembre avec Ariel Henry yo pral faire partie et du gouvernement avec Ariel Henry pas gen question d'opposition jodi an là vous pas compter bien être ou pas compter tout nèg ça yo bambilé donc très certainement nous pral rive dans une situation côté que c'est chaos généralisé pour aller dans pays ou non pays côté que youn nan trois pouvoir l'état yo là yo pas opérationnel ou non pays côté que vide institutionnel yo y a persisté ou pas un président ou un premier ministre de facto ou gen un parlement dysfonctionnel donc dim sou ki base démocratique nou y là. Dis-moi sur qui base démocratique pays a fonctionné. Dis-moi qui principe cap gouverner pays. Est-ce que constitution respectée? Est-ce que loi respectée? Non, pas rien qui respecté là. Nous levons chaque jour à vivre, nous levons chaque jour nous jeunes pas quelqu'un qui prend décision pour nous, qui prend décision. Non, nous pas connu sur qui base. Et c'est ça que fait le plus vite que possible nous organiser nous le plus vite que possible nous créer des situations qui n'ont intérêt nous tout pour élection qui veut faire dans pays hein? Mieux c'est parce que jour ça qui venu là les jours de demain seront mauvais c'est pas de mauvaises prédictions m'a fait sur Haïti mais c'est un fait. Nous avons un système côté que ou je un premier ministre qui implique qui gagne non cité dans assassinat en président qui ça l'a fait réflexion c'est qui ça c'est rivé joindre monde même l'œil pas sous pouvoir mais l'a bien allié elle cap toujours cap protéger c'est ça réflexion alors que si nous t'ai un pays côté que la justice est fort nous t'ai des juges qui t'a fait travail yo nous t'ai des doyens qui t'a fait travail yo nous t'ai des commissaires du gouvernement c'est vrai commissaire du gouvernement c'est un agent de l'exécutif dans le judiciaire parce que commissaire du gouvernement c'est ministre justice qui nomme c'est ministre justice qui désigne qui choisit mais sous t'ai un CGVron commissaire du gouvernement qui c'est pas sous yoté leur rentrer dans judiciaire là. C'est job ça lui vinn faire, c'est travail tout est yo vinn faire. Nous t'a joindre la justice qui performant, nous t'a joindre trois pouvoirs l'état qui cohérent, nous t'a joindre cohésion et puis soit attendez à nous t'a bon pays t'a marché. Nous t'a bon pays tant que tout pays qui fait principe démocratique yo tourner boussole yo, qui fait principe droit moun, qui fait principe de base yo tourner boussole yo, côté tout monde ka vivre tant que moun, côté droit tout monde respecter. Là ça nous t'a fier pour nous dire nous gè des représentants, nous gè des hommes valables, des femmes valables dans pays yo, mais jodi an là nous pas qu'être à tout faire des politiciens c'est à tout faire yo, des politiciens des soi-disant autorités. Cap prendre décision c'est dans seul intérêt ou des décisions mesquines c'est normal jodi pour nous en situation déshumanisante c'est normal jodi pour nous en situation et côté que c'est dégradante c'est infrahumaine parce que n'a pas garder haïtien autorité pas prendre pour moun dirigeant pas prendre pour moun yo pas traiter nous tant pour moun alors que quitter Brian Nichols c'est arrivé là. Qui était secrétaire adjoint arrivé là et en parlant de Brian Nichols, il était à répondre à une question congrès hein, et il profitait saluer l'élection Fritz Jean, il profitait saluer l'élection Steven Benoît. Mais pendant la saluer tout, la saluer démarche qui fait, il ouais ici mettre tête ensemble.
li wè monsieur Akon Montana Penyo yo choisi a penser pour bien-être Haïti, bien-être collectif là, mais li mandé gouvernement américain pour continuer supporter Ariel Henry avec gouvernement là, li mandé gouvernement Biden là pour continuer courir Ariel Henry indépendamment de toute soupçon qui pesait sous dol. Voyez-vous, Haïti c'est nous pour faire. Si nous voulons toute bonne bataille contre néocolonisation, c'est nous-mêmes qui pour faire. Donc problème non pile et m'a gè pour venir, m'a gè pour me retourner sous thème ça m'utiliser la néocolonisation, parce que faut m'expliquer nous qui mécanisme nèg yo utiliser pour kembe nous en bas joug yo, parce que nous-mêmes en Haïti, haïtiens c'est des oppressés yo, c'est des opprimés nous yé, oppresseurs yo nous wè yo, oppresseurs yo constitué corps groupe, oppresseurs yo constitué binu, oppresseurs yo kembe nous en bas domination yo, et puis y a nous qui a pas pauvre nous en même temps, parce que je dis un mécanisme puissant, mécanisme utilisé là tous les niveaux de l'État et même international, yo utilisé au fond nous connait qui ça yo le nous est symbole yo le nous est et signe ça pour nous ca connait côté nous prend pour nous ca connait côté nous prend. Comme annoncé à l'émission d'aujourd'hui, j'ai avec moi Stanley Lucas qui est déjà passé à l'émission. Donc, ensemble, nous allons parler de plusieurs points extrêmement importants. Nous avons un dossier assassinat président Jovenel Moïse qui retourne par Port-au-Prince, qui retourne à jeune doyen pour mettre sous dossier un nouveau juge d'instruction qui a gagné pour faire continuité, pour faire suivi. Et également, nous allons aborder le levé d'interdiction de départ qui concernait et famille Vob. Nous, la justice haïtienne a pédalé là. On dirait tout ce qui a été fait sont en train d'être défait. Et également, nous avons abordé le dossier 7 février 2022 qui a privé là dans quelques jours encore, qui marquait fin mandat démocratique président Jovenel Moïse. Et nous, et premier ministre Ariel Henry lui-même qui a gagné et obligation 120 jours pour être organisé élection. Donc 7 mois là nous n'avons rien pas réglé. Nous premier ministre Ariel Henry il ne fait qu'à sa tête. Bonjour Stanley Lucas, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Bonjour madame et bonjour à les auditeurs, content d'être avec vous ce matin. Bien, comme déjà annoncé, ouverture là pour auditoire là. Nous allons regarder ensemble, nous allons dresser le point sur ce qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse en premier temps. Comme on comprend, je dis là, juge instruction Gary Aurélien qui entre guillemets a forcé le déporter le dossier hein, et finalement le dossier en retourné et parquet pour au prince. Et qui attend tout par rapport avec désignation nouveau juge d'instruction. Comment on comprend des mots ça qui fait pas bon côté doyen pour le pas prolonger délai de 3 mois que Gary Aurélien a demandé dans le cadre d'instruction dossier. Bon, et merci pour la question ça qu'on pose. Ça, auditeur, a dû comprendre, c'est que peuple a, pays a, la jeunesse, femme, nous toutes, avenir nous en danger à cause d'un mafia judiciaire qui existait en dedans pays a. En dedans pouvoir judiciaire, gon mafia judiciaire qui commençait dans le cours de cassation, ça veut dire cour suprême pays a, qu'on rejoint directement. Et 3 juges qui impliquaient 1 dans le coup d'État, 2 dans la tentative touye président Tabar le 7 février 2021, ça va le faire 1 an. Côté première tentative pour touye président était faite à l'habitation Vobio dans Tibois. Et au gain, un 3e juge qui participait directement dans touye président. Et à cause de tweet John Joel Joseph fait. Le 6 février 2021 à 7h12 du matin, tweet là, là toujours n'importe qui a regardé sur Twitter, ou après que John Joel Joseph était impliqué dans la tentative de tuer le président tout à bord le 7 février, il va le recalibrer pour tuer le 7 juillet. Donc, premier bail, ouais, John Joseph Messen, que Reginald Boulos remet bail André Michel, nous avons une vidéo discours, que l'a fait discours que le président.
Alors que n'importe étudiant en première année ou année préparatoire connaît que depuis nous finalement des constitutions en 2009, monde qui dans cour de cassation pas qu'à président provisoire pays encore, il était retiré de la constitution. Comment font juge que Reginald Boulos prend la remettre li ba André Michel font bail comme ça? Après ça, on prend un juge Vikel da Brésil qui a entré dans la tentative de touiller le président Tabar. C'est Dimitri Vop qui a voué la touiller le président avec une série de monde qui était caché d'elle. Et où est comment Marvel Dandin, comment Valérie Numa, le 7 février 2021, dans l'émission que vous faites, a pris pause parce qu'il y a une tentative de touiller le président tout bon. Alors que John Joel Joseph était dans la tentative de touiller le président. Nous n'avons jamais fait la lumière. Sous qui moun ki de Ivikel da Brésil, Marie-Louise Gauthier nan touye président. Après ça, on vient joindre Wendell Kok qui entre directement à Colombien nan touye président. Ça est premier niveau mafia judiciaire. Deuxième niveau mafia judiciaire, c'est pendant 7 mois qui sont passés là, où blocage qu'a fait dans le système judiciaire, manipulation judiciaire que Ariel Henry, Josué Pierre lui a fait, capable de permettre de découvrir qui bien mafia judiciaire. Comment on voulait que Ariel Henry prend Josué Pierre lui, qui sont anciens ministres de la justice, avec Frélie Ikenson Edumé, qui est-ce que vous mettez sous dossier Sogener? C'est Ikenson Edumé, frère Josué Pierre lui. Qui est-ce que vous mettez sous dossier pour le détruire Martine Moïse? C'est frère Josué Pierre lui, Ikenson Edumé. Pas oublier que deux frères ça, Ikenson Edumé à Josué Pierre lui, c'est beau frère, un assassin président, John Joel Joseph qui a arrêté dans Jamaïque. On garde les mafias judiciaires ça toujours. Parce que c'est moi-même qui mettais dans la rue, tout le monde vient découvrir. Montage que a fait, complot que a fait, même genre, c'est moi qui viens découvrir en juillet, Desimounio, Ariel Henry, qui a une question pour répondre à la justice, à l'enquête, il y a comment lié avec Badiou Joseph, notre président. C'est comme ça, nous venons découvrir comment Ikenson est tué. On regarde les mafias judiciaires toujours. En dans le tribunal de première instance, c'est lui qui contrôle les juges d'instruction à travers doyen Bernard Saint-Ville. Qui est-ce que et Bernard Saint-Ville a manipulé, nous voyons le li dans lettre 8 février 2021 qu'il voyait by René Sivels. Pas oublier que dans le communiqué 8 février 2021, René Sivels, qui est président CSPJ, président pouvoir judiciaire dans le pays d'Haïti, M. Tabral révoqué un ancien de juge dans le système nan, pour implication dans la politique, parce qu'il y a un cabinet d'avocats et parce qu'il y a une corruption. Trois bagailles qui sont incompatibles avec le métier juge. Donc, on a remarqué que dans la lettre 8 février que Bernard Saint-Ville fait, voyez by René Sylvestre, M. Tenant complot à tout, parce que, on a pris dans la lettre, les adresses lettre là by Bernard, by René Sylvestre, dit honorable président. Et puis, là, on commence à lire lettre là, on vient voir que, dans Jean l'écrit lettre là, il ne peut pas reconnaître Jovenel Moïse comme président de la République. Elle dit, M. Tenant en politique et en complot à nègre. Et c'est Bernard Saint-Ville qui a téléguidé, géré dossier assassinat président Jovenel Moïse. Là. Toujours pour garder mafia judiciaire, garder ça qui passe dans Kagari Aurélien. Qui est-ce qui fait rapport sur Gary Aurélien? Pierre Espérance. Mbadi Salzia, c'est vrai ou bien c'est pas vrai, non? Mais n'a pas gardé qui est-ce qui fait rapport? Pierre Espérance. Qui est Est-ce qu'il t'est monté faux dossier inculpé contre président Jovenel Moïse en 2017-2018? Pierre Espérance avec Sonnet Jean-François. Gardez ça qui passe en dans CSPJ. Le Pierre Espérance fin fait rapport. Qui est Jean-Aubert Cadet, directeur exécutif CSPJ, écrit pour Mandel à l'auditionner, questionner juge Gary Aurélien, même Sonnet Jean-François. François, qui était dans le complot contre le président Jovenel Moïse. Vous commencez à voir que je ne vais plus loin avec vous encore. Ok? On garde un coup de compte. La justice et la police finissent d'identifier Ivikel da Brésil à Wendell Kok qui est impliqué dans le dossier tout le président. Qui est-ce, Gédéon Jean, en soi-disant droits humains? À laisser chercher pour rétablir deux juges illégalement, inconstitutionnellement, dans la position de cour de cassation pour la justice pas poser aux questions pour qu'il y ait immunité.
Gédéon Jean a servi avec Rogaville Boisguené pour faire une séance illégale dans le coup des comptes pour essayer de rétablir Mounsaï pour la justice pas poser aux questions. Donc, je aussi appelé à parler avec vous là. Au grand ministre de la justice, Beto Dossé, qui c'est avocat Dimitri Vogue, avocat Sojene et avocat Ariel. Beto Dossé, ça a passé 6 mois en prison pour affaire drogue. C'est lui-même, Ariel Henry, Michel Matéli, Dimitri Vop, metté comme ministre de la justice. C'est lui-même qui a téléguidé justice là. Qui ça nous est Ariel fait pour essayer de bloquer toute procédure judiciaire? L'inomé illégalement 6 membres dans CSPJ, il n'y a pas d'autorité pour faire ça. Oui, et qui est joué aujourd'hui que Bernard Saint-Ville a essayé choisi pour venir mettre comme juge d'instruction? 5 nans juges que président Jovenel Moïse pas de renouveler mandat, René Sivles pas de renouveler mandat, c'est Ariel qui renouvelle le mandat Chavannes Etienne, Jean-Wilnel Morin et Latrier Durette. Juste ça, que président Jovenel Moïse pas de renouveler mandat, 5 juges ça, que vous faites nommer, ensemble à CSPDJ illégal là, qui Ariel mette, qui a fait complot à Bernard Saint-Ville pour y aller mettre Chavannes Etienne. On juge que le président Jovenel Moïse n'a pas voulu renouveler le mandat. Donc, ça veut dire que y a une mafia judiciaire qui campait contre le peuple et l'État. Ok. Monsieur Lucas, avant de nous passer directement dans le dossier Dimitri Vop, dans ce qui est pour avec le levé de protection de départ, et vous souhaitez faire une indexation directe là, dans ce qui est pour avec le général Boulos qui était derrière Joseph Messène, de même que Dimitri Vop. Donc, pour même personnellement, 7 février 2021 avec 7 juillet 2021, côté assassiné et physiquement président Jovenel Moïse, gon lien direct et lien direct ça, licence lié avec personnalité ça même sorte cité là. Prenez m'a parler avec vous là, OK. Non démocratie, gen 7 caractéristiques. Dans cette caractéristique démocratie, il y aurait ça le régime de la loi. Ça veut dire que égalité des citoyens devant la loi. Qu'au riche, qu'au pauvre, qu'au chef, qu'au pas chef, qu'au milat, qu'au monde noir, qu'au monde la ville, qu'au monde dans le monde, la loi doit traiter tout le monde même genre. C'est ça qui fait démocratie américaine n'a pas marché. C'est ça qui fait démocratie canadienne n'a pas marché. En Haïti, système judiciaire n'a mis 5 oligarques Pétionville. Je vous dis, après, je parle avec vous là, le monde qui a téléguidé le système judiciaire, c'est Jean-Marie Vop, Pacha Vop, Dimitri Vop, Reginald Boulos avec Michel Matéli. Michel Matéli, c'est monsieur qui a téléguidé Bernard Saint-Ville. Donc, pendant que je parle avec vous là, système judiciaire en rébellion contre l'État et contre le peuple. Ce n'est pas la police qui n'a pas fait travail. La police a arrêté tout criminel, tout drug dealer. La police fait enquête normalement pour jeune criminel, il y a un problème. C'est la mafia judiciaire qui a plagué les criminels dans le pays d'Haïti. Donc, par rapport à la question qu'on pose, oui, 7 février, côté Nek Vobio, tu es planifié pour aller touiller le président dans l'habitation que tu as dans le Tibois, dans le tabac, et connecté avec 7 juillet. Bon grand élément simple qu'on doit garder pour la connexion. Al garder sous compte Twitter John Joel Joseph. Gardez tweet qu'il publié le 6 février 2021 à 7h12 du matin. Monsieur était impliqué dans tout le président avec Yvickel da Brésil, avec Marie-Louise Gauthier et tout l'autre monde. Et 7 février dans matin ça, si n'est pas là, te mené président Bayo, yo t'a touyé président et non seulement yo t'a touyé président, moun nan palè qui te mené président Bayo, yo t'a touyé soldat palè ou tout policier palè qui nan USGPN. Sous songe bien, nèg yo te planifié longjan pour que lè ap mené président Bayo nan habitation Vob nan Tibois nan tabac pour que yo pas vini avec en pile policier parce que nèg yo te planifié pour yo touyé ni président ni policier. Ouais, les criminels échoué le 7 février. Nèg yo gen 2-3 journalistes qui a laissé passer dans bêtise. Avait dit que nèg yo était bien connaissé tout yo d'après le touye président. Donc 7 février a connecté directement à 7 juillet. C'est le 7 février a échoué, nèg yo a recalibré. Et puis gardez dans tweet John Joel Joseph 7 février.
monsieur Balit lui recevra l'autre département d'État. Ça veut dire dans tous les présidents, gain mercenaire créole, gain mercenaire colombien, gain Milat Pétionville, mais gain blanc là dans le tout. Faut nous joindre blanc à Milat qui touye président parce que depuis 7 mois que yo touye président, gain pile chez fort et manipulation qu'a fait dans la presse pour faire nous comprendre, c'est seulement Tinek nou tête graine qui participer dans touye président. Chaque fois pour arriver sous Milat à blanc qui participer dans touye président, ouais c'est gros diversion. Nous même nous pas prendre diversion ça, faut marrer tout le monde. Quel Tinek tête graine, quel Milat, quel blanc participer ou bien mercenaire latino colombien qui participer dans touye président, faut que nous mettez tout en bas. Tout ça va jamais fait encore. Mais écoute, pendant qu'on parle de l'USGPN qui t'a pris le mener président 7 février aller dans l'habitation Petit Bois, Goba qui a attiré l'attention, n'a pas songé 7 février et Dimitri, chef USGPN, c'est lui-même qui était entre guillemets 3 10 ans déjoué coup d'État, à nous pas joindre. Et 7 juillet après, c'est même Dimitri Rosa qui dans pénitencier national qui gagne et présomption culpabilité sous dol comme monde qui participait dans complot pour assassiner Jovenel Moïse. Comment comprendre et comment comprendre tabloïd ça? Est-ce que le 7 février, on panique qui fait que gagne des monde dedans à partir des questions qui a posé nèg yo ka suspect que gagne monde n'a pas l'air qui au courant? Est-ce que c'est ça qui fait au paniquer, qui gagne temps comme si au prend pause il dénonce complot? Ça, faut le regarder, faut pas oublier et conversation entre Marie-Louise Gauthier et Dimitri Ra disponible toujours. Oui. Faut le revisiter conversation ça qui disponible sur YouTube, qui disponible pour le public, qui est passé sur radio. Faut le fouiller puis fond 7 février pour nous comprendre plus bien 7 juillet. Parce qu'il faut pas oublier tout. Les doux blancs, par exemple, un blanc dans le Congrès américain qui n'est pas en fonction dans l'État américain, qui t'a dit dans l'audition qui t'a fait 12 mars 2021, vidéo est disponible sur YouTube, et audition qui t'a gagné dans le Congrès américain, blanc t'a dit qu'il faut que vous mettez le président Jovenel de côté pour remplacer le premier ministre. En même temps, tout, pour garder le reportage télévision Rising, nan, qui doit consacrer un lot blanc Calbaïkop pour participer dans tous les présidents. Parce qu'il a garanti que l'officiel américain était d'accord. Pendant que le président Joe Biden lui-même dit, le président Jovenel Moïse était élu pour 5 ans, il faut qu'il fasse 5 ans. Il a dit que la position officielle du gouvernement américain, Jovenel comme président, est là jusqu'à 7 février 2022. Donc, qui l'envoie au criminel qui passe sous côté qu'il a participé dans tous les présidents? Pour Milat, nous plus ou moins identifié qui Milat. Qui l'autre Milat qui te baille comme tout pour tous les présidents? Est-ce que Colombien ça a eu que nous gagnons? Est-ce que c'est eux-mêmes seulement? Est-ce que l'autre Colombien? Dominicain est impliqué dans tous les présidents? Parce que c'est deux bourgeois dominicains qui baillent avion qui fait Colombien rentrer. Je dis, après ma parole avec vous là, c'est pour ça nous-mêmes en tant que peuple, les soldats étrangers qui sont du pays Colombie, passés par Saint-Domingue, entrés dans le pays d'Haïti, viennent tuer le président du pays d'Haïti, son acte de guerre que le représenter selon les conventions internationales. Donc pour qui ça, 7 mois après, il a tué le président, même si ça a été fait dans le pays la Syrie, là pardon, dans le pays Liban, côté soldat pays Syrie d'al tuer premier ministre Liban, Rafik Hariri, même côté à Conseil de sécurité Nations Unies, met un tribunal spécial. Tribunal spécial, ça, c'est l'idée identifier Mounan Syrie qui a tué le président et premier ministre Libya. Et pardon, premier ministre Liban, qu'il y a les Syriens ouais, qui ont découvert, ils ont commencé à découvrir les gens. Ils ont tué tout assassin, une machine qui fait exploser avec une bombe. Je voulais vous dire la question que nous devons poser tête, nous comme haïtiens. Si la communauté internationale la respecte nous, si on prend nous pour le monde tout bon, comment faire 7 mois après le Conseil de sécurité des Nations Unies pour commettre un tribunal spécial pour Haïti? Est-ce que c'est parce que Mme Lalim est impliquée dans le complot? Ou bien est-ce que c'est le racisme systémique? Même j'entends pour ça, l'Organisation des États américains, pourquoi invoquer la Charte démocratique régionale? Pour ça, la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pourquoi mettre une commission spéciale pour aider nous identifier assassins? Pour ça, Ariel Henry, Michel Martelly, fait ministre des Affaires étrangères, Jean Généus, écrit l'être fâché. Est-ce que ou un ancien ministre de la Justice, ou ancien commissaire gouvernement, ou ancien ministre des Affaires étrangères Haïti, calmant des OEA, tant pris, aidez-nous, joindre assassin. Et puis,
puis nèg yo fâché ou gétan courir voyon lettre qui ça a caché Matéli Ariel Henri et Latrier. Donc je jodi a c'est détermination nous qui fait que après 7 mois dossier a vivant toujours. Si c'est pas peuple haïtien qui t'est levé campé le 7 juillet pour Marie Colombien yo. Jodi a l'honneur national pas t'ap sauver non. Jodi a nous pas t'ap parler de justice pour président Jovenel non. Le fait que 7 mois après nous ka parler de justice pour président Jovenel, c'est pas la justice qui Marie Colombien yo le 7 juillet. C'est pas la police qui t'est on parti dans la police en participer dans tout le président qui Marie Colombien yo le 7 juillet. C'est peuple haïtien Rick Marie Colombien yo le 7 juillet. Et c'est révolution pacifique ça pour nettoyer trois pouvoirs l'état de malandrin que 7 février 2022 nous doit continuer. Peuple a été fait de façon pacifique, il était tellement intelligent, li mari colombien au vivant, li kembe au vivant, li remettre yo bay la justice pour te kapale. Ou après du 7 juillet ou 10 juillet Ariel te nan maon. C'est parce que les peuple a mari colombien yo, Ariel te pensé que colombien yo te gen tan bay yo. Bay non ni comme moun qui te promet colombien que la protéger ou faire ou quitter pays a. Ariel ouais le 7 juillet peuple a mari colombien yo, 17 au 10 juillet ou pas ou pas de Ariel monsieur te nan maon parce que monsieur te pensé que colombien yo te gen tan bay non. C'est des accusations directes. Bon, en parlant de premier ministre de facto Ariel Henry. Non, il y a pas accusation directe, c'est des bails que la justice et la presse américaine qui est établi. Faut pas oublier que le commissaire Bedford Claude dans l'enquête qu'il fait montre que Ariel t'a ban nous tout menti. Elle t'a fait interview avec journaliste américain Jake Johnson nan, en mois de juillet, il pas jamais parlé à Badjo. Non seulement nous joindre il t'a parlé à Badjo. Pendant Badjo était dans pèlerin 5 là côté président arrêté le 7 juillet dans matin nous ouais pendant mois de juin, il parlait au moins 17 fois avec Badjo Joseph dans dimanche ou lundi avant qu'il était pour faire installation ni vidal caï président qu'est-ce qui t'a conduit machine là pour lui là caï président et Badjo Joseph. Et enquête Washington Post et New York Times, journal américain qui te fait enquête pour mettre président des États-Unis Richard Nixon à tête tellement qu'on fait enquête bien. Et bien c'est même journal ça qui montre comment Ariel impliqué dans le crime, comment Michel Matéli a beaufrère qui Kiko Saint-Rémy impliqué dans tout le président. C'est mon jouet qu'il y a. C'est des enquêtes, c'est des révélations, mais n'a pas de mettre que jusqu'à date en Haïti, pour qu'on ait une culpation, pour qu'on ait une juridiction qui t'en mêle. Mais comment on va faire gain pile? Comment on va faire gagner inculpation les pouvoirs judiciaires impliqués directement dans tout le président? Ah bien voilà, on juge. C'est ça, Mabdoui. C'est l'on juge dans le suprême pays, dans la cassation qui implique le président. Et c'est pour ça, en tant que société, le premier bagage qui est important, c'est la moralité société. Ici, aux États-Unis, tout le monde te connaît, O.J. Simpson, te touye madame, ni Nicole Kidman. Je vous dis, ya. En d'un pays au niveau moral pays a pas grand haïtien qui pas connaît que Reginald Boulos Dimitri Vob Pacha Vob Jean-Marie Vob Sami Andal Rodolja et Latrier Ariel Henry impliqué dans tout le président. Nous connaît toujours dit a 7 mois après que mafia judiciaire ensemble avec patron yo oligarque yo a fait tout ça yo capable pour bloquer le système judiciaire. Ouais, quel que soit gens yo viré là jusqu'à présent, yo pas capable bloquer le bien progrès qu'a fait sous dossier malgré blocage institutionnel total que Ariel Josué Pierre lui Beto Dossé Bernard Saint-Gilles a fait dans le système judiciaire malgré tout dossier avancé. Bien. Donc, c'est un fait, n'a pas avancé là sous 7e mois pour que j'aime bien culpation, colombien, ou pas attendre. Donc, dossier Jovenel Moïse au niveau national, son dossier qui prend un paquet de baffes, son dossier qui prend un coup. N'a pas privé là dans 7 février, dans quelques jours encore. Mais ou après tout, et plus dossier prend un coup, c'est plus nègre tout ni devant peuple là, ou en bas, ou très clair. Clameur public là, ça extrêmement important. Mais nous, la justice en Haïti, y a pas utilisé clameur public là, y a pas utilisé opinion publique là. Juge, y'a fait ça, vous voulez. Tout le monde a fait ça, vous voulez en Haïti, dans sa guerre avec la justice. Regardez orientation politique, monde qui tue le président quand dans l'État et qui n'a mafia judiciaire. Regardez qui monde que Beto Dossé a lagué. Il y a la Courtois qui participait dans tout les policiers soit Tim Patrick Anouza.
Avec dit que tout criminel bandit, la police arrêté, qui t'a touillé policier, qui t'a boulé ministère, qui n'en gang, qui t'a fait crime dans le pays, Ariel Henry, Beto Dossé, et avec mafia judiciaire, et Ben Saint-Ville et la Tri a blagué, nèg yo gen nan coup d'appel a blagué au juste reste. Donc je ne jodi a, li clair pour peuple là que qu'on nettoyage trois pouvoirs qui doit fait. Parce que en dedans pouvoir judiciaire ou gon mafia judiciaire qui campe en face peuple là dans sénat ou gen 10 sénateurs que mandat est fini depuis 10 janvier 2022 donc nèg yo prolongé mandat à travers menace que vous fait dans société à menace violence mais mandat est fini conformément à l'article 288 article 111.8 constitution et le fait que constitution du sénat renouvelé par deux tiers et conformément à l'article 50.3 50.7 et 239 décret électoral de mars 2015 là mandat nèg yo fini ou ki nèg yo non seulement au prolongé mandat yo y a gardé qui Jean yo capoté bourré le 7 février pour faire coup d'état pa yo et c'est pour ça dans quatre coups d'état qui prévoit le 7 février a coup d'état 11 septembre avec Ariel Henry coup d'état Montana avec Fritz Jean de pour regarder article dans Google qui dit le premier ministre nommé la société civile et lors de la banque centrale c'est ba qui pour fori 42 moun qui chita nan hôtel nan mitan 42 a tout fait ça yo gen 25 qui dou yo voter pour président de la république qui est-ce qui ba yo mandat ça qui côté yo joine mandat ça nan constitution pa existe ça pire là qui est yo choisi nan Montana soi-disant et nan 25 moun qui voter pour li a gen 18 qui recevant 2 à 3 millions de gouttes. Bagay qui pire là c'est que même nèg ça que yo soi-disant 18 moun choisi sou 42 qui sont pas remarqué pour qui ça parlement 50e législature te refuse Fritz Jean comme premier ministre privé le 7 février 2016 les privés vice président al garder article encore ou juste Google li le premier ministre nommé la société civile et lors de la banque centrale Alter Press monsieur volé le monsieur était gouverneur banque centrale monsieur volé 96% réserve l'or pays monsieur vend l'or à $258 l'once alors que à l'époque prix l'or c'était $1,800 l'once on est qui fin volé l'or pays a comme gouverneur banque centrale et puis ça avait quoi le font racket dans Montana et puis koto wè yo nommé un chef gang qui est le Fritz Jean qui est le président provisoire et puis assistant chef gang na Steven Benoît qui est le premier ministre c'est seul dans pays d'Haïti république de banane qu'on a on mascarade comme ça nèg yal prend 42 moun et yo pense que 42 moun ça yo ka remplacer 6 millions de votants moun qui gen carte électorale yo en Haïti c'est révoltant donc là 7 février nous n'a pas rentré droit direct non crise institutionnelle sans fin déjà là ouais parce qu'on gen 4 tentatives coup d'état ou gen tentative coup d'état Ariel Henry ou gen tentative coup d'état du sénateur qui mandat yo fini ou gen tentative et coup d'état peine et pour gagner tentative coup d'état Montana quatre tentatives coup d'état qu'on gagne pour le 7 février nous allons finir dernière question avant nous aller monsieur Lucas et là moi même m'a prend responsabilité avant vous dire entre premier ministre de facto Ariel Henry nous considérer comme le pire et la transition nous considérer comme pire donc comment qu'on positionne qui ça ou même comprendre là entre le pire et le pire qui ça nous voulait là qui ça nous a cherché pour après 7 février 7 février 2022 pour le faire et un an côté on fait première tentative pour tout le président tabac 7 février 2022 et pour le faire 7 mois depuis on touyer 58e président que mandat a fini 7 février là 7 février 2022, ça prend 36 ans depuis le peuple a été levé quand il prend la rue pour écraser un système. L'a écrasé le système dans le 7 février 1986, le peuple a été un rêve. Rêve là c'est plus sécurité, rêve là c'est pour te gagner la peine en pays li, rêve là c'était pour un système éducatif qui bay petite li chance, rêve li c'était un système économique côté gain des opportunités économiques, gain travail, gain production qui crée richesse. Peuple a te gon rêve tout gon démocratie côté régime de la loi respecté, côté élection libre, honnête et démocratique fait. 36 ans après qui ça nous gagne? Ça nous gagne en pis mal. Que ça existait le 7 février 86 là.
L'État qui nous a gagné le 7 février 86 là, il était capable de sécurité sur tout le territoire national. L'État qui nous a gagné le 7 février 2022 son l'État assassin qui a fonctionné à gang. Premier ministre a impliqué dans tous les présidents et l'a regardé. Deuxième paragraphe, lettre de démission, Daniel Foutli, c'est Ariel qui a géré gang. Donc, au grand premier ministre assassin, au grand ministre de l'Intérieur kidnappé, Louis Kittel, au grand ministre de la Planification qui était volé d'elle au Sénat, Ricabien, au grand ministre de la Justice, Dilet Drogue, avec ce qui est une coalition d'assassins 36 ans après dans tête d'État. Démographie qui nous a un rêve pour lien. Et sont la fille qui est liée aujourd'hui. Donc, qui s'est fait le 7 février 2022? Étant donné que pouvoir exécutif là, son coalition d'assassins qui sous tête lui, pouvoir judiciaire, son mafia judiciaire qui a crasé le pays, pouvoir législatif là, c'est des de facto illégaux parce que mandat est fini depuis 10 janvier, deuxième lundi de janvier, 10 janvier 2022. Mais aujourd'hui, ce si qu'on bagaille que nous avons fait le 7 février 2022, c'est faire ça. La jeunesse qui besoin de gagner avenir, femme qui besoin de gagner la paix, génocide que tout le monde s'est fait sous peuple là, pour gens, si monde, femme, garçon, a mouru dans la région Guatemala, dans la région Brésil, côté bête à manger, dans la région Panama, côté monde a mouru dans le désert Mexique, dans l'essai aller aux États-Unis. Pendant le génocide, ça a fait. Next, ça a quitté mêlé au monde, mettre mourir la vie, pas de rien pour yo, dignité, monde, pas de rien pour yo. Moi, je c'est qu'il y a une révolution pacifique qui doit faire en Haïti le 7 février. Même j'en l'ai fait dans le pays arabe, yo. Côté la jeunesse, te servi avec téléphone, yo. Yo te font révolution contre tout leader traditionnel qui t'a crasé pays, yo. Et qui te met ton régime pesé sous ses écrasés, yo. Moi, c'est que 7 février 2022, la jeunesse qui a pris téléphone, ni, dans Ocap, dans Gonaïve, dans Saint-Marc, dans Tabar, dans Cité Soleil, dans Delma, dans Pétionville, dans Léogane, dans Petit Couave, dans Okaï-Latrier. Bail rendez-vous, on série de gros côtés dans chaque ville, mettez 3-4 millions de jeunes dans la rue, pacifiquement, ou va le nettoyer droit pour voir l'État. Je veux dire, si nous voulons retourner le pays à l'ordre constitutionnel, nous avons besoin de trois pouvoirs à l'État, côté de monde senti bon, monde propre, qui pas dans tout le monde, qui pas dans voler, qui a moralité, qui a compétence et capacité. Moi, c'est que chaque département géographique, à travers la révolution pacifique, ça, quand vous voyez une femme, un garçon qui représente, ça fait 20 monde. Dans le temps, 20 monde, ça, conformément à l'article 149 constitution, hein, choisons un premier ministre, mettons un gouvernement et tout neuf, non délai pas dépasser 6 mois, mandé Brésil avec Mexique aider nous et faire yo aider la police craser gang yo. Nous on délai pas dépasser 6 semaines. Et puis après ça, nous délai pas dépasser 6 mois, organiser référendum non, organiser élection législative pour installer 51e législature, on élection présidentielle pour installer 59e président et corriger on juge senti bon tant qu'au juge Jean Lat. Balle bonjour en sécurité avec Nations Unies et OEA, faire enquête là, marrer tout assassin qui touille président, hein? Et puis réformer les trois pouvoirs de l'État à partir d'élections qui fait, et puis nos délais qui va dépasser 6 mois pour pays à commencer à respirer, pour pays à rejoindre la paix. Pour moi-même, 7 février, il y a un début de révolution pacifique. Ça. Si dans le pays arabe, autant que l'Égypte, la Tunisie, la jeunesse de Fel, ce n'est pas nous-mêmes dans le pays d'Haïti qui ont tradition de gourmet pour liberté qui n'a pas qu'à faire. Si des esclaves ont fait ça en 1804, après que ont fini les soldats Napoléon le 18 novembre 1803, ce n'est pas nous-mêmes qui n'a pas qu'à faire ça. C'est de très bonnes propositions et m'espérer que jeunesse là qui prend note, il y a tant de où et il y a motivé, il y a mobilisé pour faire ce que de droit. Merci. Parce que assassin yo même madame, assassin yo pas camper non. Ah oui, pas d'homme. Parce que bon mon bagage, sous nan place Ariel. Ariel pas faire élection libre, honnête et démocratique dans pays là. Ceux qui ton parlement honnête et monter la juger, il va aller en prison. Donc Ariel pas monter conseil électoral qui faire élection libre, honnête et démocratique. Matéli va quitter l'élection libre, honnête et démocratique. Parce que je suis impliqué dans tout le président avec Beaufrère qui est Saint-Rémy. Mais là, tu vas quitter le système dans crasé. Donc, si on est là, dans 4 accords et 4 tentatives de coup d'État, c'est le monde qui a essayé de sauver le système
ça que le président Jovenel Moïse t'a écrasé. Le président Jovenel Moïse, c'était premier vague là. Tout le monde qui attendait là fait partie de deuxième, troisième et quatrième vague changement. Faut écraser le système là pour ne pas payer en chance. Tout le leader traditionnel qui n'a quatre tentatives coup d'état, mettez-le sous côté. Quand il y a une mettez le gouvernement senti bon tout neuf là, qui va rétablir le pays à l'ordre constitutionnel non délai. Qui va dépasser 6 mois, si vous voulez pouvoir, pas de problème avec vous. Qui a demandé peuple à voter pour vous pendant l'élection. Mais là, vous allez choisir deux personnes par département, pas de monde politique là-dedans. C'est des gens sentis bons, qui ont moralité, qui ont intégrité, qui ont compétence, qui n'ont pas de cité dans rien. Si vous même capable de rétablir la sécurité, organiser le référendum, organiser l'élection législative et présidentiel. Si on est conforme, vous voulez prendre pouvoir, allemand des peuples à voter pour vous, même Jean-Jovenel défait. Le pouvoir, c'est à travers les élections. Merci, merci en pile, M. Lucas, pour ce que tu as accepté de participer à une émission. Et n'a pas cassé rendez-vous pour l'autre fois. Eh bien, c'est moi pour remercier. Moi, j'espère que les gens qui t'attendent là et qui t'attendent là, après nos bagailles, pas qu'il y ait personne qui vient bâtir Haïti pour nous. C'est Haïtien qui doit bâtir pour nous. Depuis à peu près 36 ans que nous devons changer le pays, nous, et c'est une bagaille qui est même pas jamais donnée et oligarque Pétionville avec anarcho-populiste, nous avons une culture que nous venons installer dans le pays au niveau politique qui pas existé. Il y a le racisme systémique. Avec dit que yo même en tant que bilat Pétionville, yo pensait que yo supérieur à mon noir et ressources pays c'est non mais seulement qu'il ca exister. Donc racisme systémique ça qui existe dans société a qui bloquer émancipation mon noir, nous devons combattre li tout. Même Jean président Biden qui sont président blanc non pays qui ont les États-Unis, la boum contre racisme systémique ça veut dire que Jean il y a institution l'État aux États-Unis a traité moun noir mal pour gain plus égalité, plus démocratie, plus régime de la loi. C'est pas nous-mêmes comme première république nèg nan monde là pour nous pas combattre racisme systémique. C'est racisme systémique ça qui existe dans la société qui fait que 95% ressources l'État au lieu al bâti l'école, bâti route, mettre l'hôpital, aider peuple là, ouais 95% ressources ça yo. C'est non même il a Pétionville qui est. En même temps, tout l'on a regardé liste moun qui gagne cop dans le pays après 218 ans d'indépendance, pas de moun noir la donne. Il n'est pas normal. Et c'est ça, président Jovenel Moïse, qui a échangé. Donc, gomme que n'a fait là, c'est pas seulement pour mettre un gouvernement senti bon, mais c'est pour craser un système. Et craser le système n'a commencé à partir de craser le monopole économique. Yo. Monopole économique que Milat a gagné dans l'État, monopole que a gagné dans le système bancaire avec Unibank, et monopole que a gagné tout commercial dans Siri, farine, six, ciment, fait, engrais, latrier, tout bagaille c'est eux. Donc je veux dire, il faut une meilleure répartition des ressources de l'État qui pour permettre gain émancipation moun noir dans le pays. Et c'est pour ça moi même avec un journaliste haïtien qui est le Sirius Cyber, n'a pas essayé de développer une nouvelle idéologie. Même Jean Blanc a développé idéologie par le socialisme, le conservatisme, le libéralisme, la démocratie. Nous même comme moun noir, nous devons développer idéologie par nous. Et c'est pour ça n'a pas essayé de développer une idéologie qui est le noirisme démocratique, capital. Tout goumè moun noua te fè pou defann dwa yo, goumè Makandal, goumè Boukman, Toussaint Louverture, Dessalines, Kabral Amor, Christophe, goumè Martin Luther King, goumè Nelson Mandela, goumè Jovenel Moïse, pour nous venir produire une idéologie en fonction d'expérience politique, économique, sociale, dans goumè historique que nous fait. Pour nous garder une place nous en Haïti, en Amérique latine, dans la Caraïbe et dans le monde. Toute richesse qui vient dans le monde dans le jour d'hier, ça avec fin nous pendant la période de l'esclavage et sur nous pendant la période de l'esclavage qui est bâti. Mais nous n'avons pas accès à eux, même comme nous. Le Banque mondiale va avoir nous moyens pour nous bâtir infrastructure. Nous. FMI continue à peser sous ses nous. Et intérêts étrangers continuent à cesser sous ses nous dans le gaz et la vie. C'est le système ça qui nous a écrasé, que le président Jovenel a commencé. Écrasé que nous-mêmes nous devons continuer à gourmer. Passons un bon week-end, bon Dieu, bénou, Kébéla. Merci, Ampil, merci. Joseph Abdelham, nous sommes avec nous, Stanley Lucas. Nous passons un bon temps là, on a parlé sur des sujets qui sont extrêmement importants, des sujets qui sont extrêmement sensibles et nous connaissons Stanley Lucas lui-même.
li pa nan kache men voye roche nan sa ki gen pou avec accusation indexation la li directement la li droit au but. Donc maintenant gon paquet belle proposition ki fait et pour avenir politique paysan pour démocratie paysan pour souveraineté paysan pour nous faire respecter valeurs institutionnelles yo kounya c'est qui ça nous même nous décider faire c'est qui ça nous même et comment nous pral engager nous dans bataille là dans combat pour changer Haïti. Donc problème paysan yo en pile nous gen problème à tous les niveaux de l'état tous les trois pouvoirs l'état aussi tête chargé. Donc bataille là faut qu'il fait faut que bataille là il continue et me pas cacher dit nous et déjà là déjà nous sommes parlé nous ça déjà dans commencement émission et CSPN Ariel Henry DG PNH France LB yo voulait faire PNH tourner organe de répression 5 février de 5 février jusqu'à 10 février à la police sous deux pieds militaires li j'ai aucun dire et la police sous deux pieds militaires li policiers au pas dormi sauf en cas de maladie un policier capable de travailler capable de sous poste mais après ça là yo get mobilisé parce que pour le ministre Ariel Henry lui même li camper sous position c'est élection pour bay qui pour mettre un président dans notre pays donc lui même il pas en question accord et logement large accord global ça pour être fait il était en chita avec groupe nèg pal et 11 septembre il était signé un accord primature donc là véritablement avenir pays avenir jeunesse là respect démocratie c'est dans main nous lié comme peuple c'est nous chaque qui pour prendre responsabilité nous pour nous garder comment nous ca changer donner parce que ça n'a vivre dans pays là nous vivons une situation qui est très déshumanisante en Haïti. Nous vivons un moment là qui est extrêmement grave. Tellement de problèmes dans le pays. Il faut que nous allions chercher, il faut que nous allions à la base pour nous garder vraiment ce qui s'est passé dans la société. C'est pour ça que vous levez matin, ou mangez spaghetti, ou mettez un grain de sous le lit, ou boire bonjour, bon temps, pico, bien, on s'éveille, non, bon coca, vous pensez que tout le monde est fini, tout le monde est rose, ou bien passé? Non! Ou vaut plus que ça? Société en payant doit plus que ça? Ou pas supposé aujourd'hui en la rentrer et non démarche pour regarder comment on prend bateau, comment on fait des démarches pour quitter pays en risque vie. Haïti vaut plus que ça, Haïti doit plus que ça. C'est responsabilité nous pour nous prendre, pour nous faire nèg respecter ça et gagner comme engagement envers nation, envers ou même envers moi-même, envers communauté. Donc nous pas admettre pour un paquet nèg dans tête l'état qui a accaparé au pouvoir l'état des ministres des secrétaires d'état qui pas régler rien yo seulement contenté yo joui machine officielle joui quatre téléphones résidence secondaire et si on paquet avantage prend profit alors que travail nous mettez yo là pour faire yo pas faire des séries de nèg qui sont de côté au sorti au dou yo vini yo pote y a foncé tête baissée non cause transition dans pays alors que principe démocratique là douce élection pour mettre président, c'est élection pour mettre premier ministre, c'est élection qui rend nous légitimes. Mais toute bataille qu'a fait aujourd'hui, son bataille pour petit clan, son bataille partisanier, et puis ou même moi-même, ça fait garder nous te mettre pas qu'à manger, nous te mettre pas de sécurité, pays te mettre pas de stabilité, petit nous pas qu'à l'école, nous te mettre pas qu'à travail, et parmi les parce que tout l'argent au fin prend, tout ça au fin fait, yo prend yo à serrer yo dans banque étrangère, yo prend yo à acheter belle car aux États-Unis, Canada, en France, yo prend yo à acheter bel appartement République Dominicaine, à jouer casino, à jouer à Zamaté midi soir. À la combat coq, à la gagne matin, midi, soir, acheter coq bien cher. Et puis nous-mêmes, nous n'avons pas soucieux de nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas rentré dans l'agenda. Nous-mêmes, nous n'avons pas rentré dans le projet. Yo. Non, ça n'est pas possible. Situation sans eux, n'est pas possible. Hey, aucun problème, bon? Bagaille la pitié. Rete la balle. Zest of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'en même. Ça pourra le permettre de rallonger les pénis. Balle longueur vlée et puis survlée pour mon ouvrier. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon y'a. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vlo dans Kaila. Coute qui l'autre fait pau pau. Ou fait bec à terre? Eh bien, pas inquiète, solution là.
Gebon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bec a été fini, ça faut régler nan bon ti mami. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relez dans 514-886-9776 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays ou, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel Paula pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.